Ah, le ciel est bleu, il fait beau, il fait chaud, les petits oiseaux chantent, les fleurs éclosent. Et ça serait une encore plus belle journée s'il n'y avait pas cette fille qui faisait la gueule. J'aime pas la nature, j'aime pas les trajets en chariot, et j'aime pas les humains. Alors pourquoi t'es venue si tu me détestes ? Parce que j'ai juré de te servir. Si j'avais su que t'étais un humain, j'aurais pas juré. Eh bien, je te libère de ton serment et je te donnerai un cheval pour que tu puisses retourner au château dès le prochain village. C'est pas à toi que j'ai prêté serment, humain. Et tu ne comptes quand même pas me laisser seule sur les routes. Quoi, tu aurais pas des bandits ? Bien, oui. Je dois dire qu'il est quand même courageux pour un humain de partir juste avec une épée alors que les routes infestent de criminels. Ah. Quoi, tu ne le savais pas ? Bien sûr que je le savais. Tu me prends pour qui, hein? Tu ne le savais pas. Et toi, tu parles à bouche en cœur, hein? Il est beau, le héros. Ah. Ah tiens, d'ailleurs, tant que j'y pense, Morgana, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu me vouvoyais et tu me traitais avec respect et que depuis que tu sais que je suis un humain, tu me tutoies et tu me traites comme si j'étais un moins que rien? Il y a une différence entre être le héros démon qui nous sauvera tous et un humain qui est justement un moins que rien. J'ai quand même vaincu le héros humain. Hein. Tu n'avais pas dit que ton plan consistait à lui donner des claques. Ah, pourquoi je te racontais ça, moi? Ah, tiens, le prochain village est visible. On pourrait faire une halte. C'est ça. Change de conversation. Mais Ah merde, c'est seulement maintenant que je viens de réaliser comment est-ce que tu vas faire pour cacher tes cornes? Quelles cornes? Ah, tiens, tu as plus de cornes. En dehors de nos cornes et nos affinités à la magie, nous autres, démons de bas rang, sommes semblables aux humains. Ceux comme Sa Majesté sont des démons de haut rang et ont heureusement perdu leur apparence humaine. Halt, raison de votre venue dans le village. D'abord, bonjour. Voyage, nous nous arrêtons ici pour y passer la nuit et refaire le plein de provisions. Ouais, allez, passez. Au revoir. Pas très poli ce garde. Mais pourquoi tu veux discuter avec un garde? Tu sais que ça te rend suspect si tu fais ça? Oh, excuse-moi de vouloir être poli avec un membre du service de sécurité de cette ville qui fait son travail. Pourquoi tu me regardes comme si j'étais un idiot qui vient de dire une grosse idiotie? Tu vois, je pensais que tu étais un idiot. Eh bien, je m'excuse. Merci, y a pas de mal. Je t'ai surestimé sur ce coup-là. Mais y a pas de... Hey! Ah, quelle charmante taverne. Qu'est-ce que tu veux boire? Je t'offre le verre. Je te déteste. Patron, une bière et un « je te déteste », s'il te plaît. Tu sais que je déteste les humains. Et toi, tu me forces à rentrer dans ce trou à rats rempli d'humains. Je te... Alors, j'ai une bière et un « je te déteste ». La bière, c'est pour moi. Ah, j'aurais pensé que le « je te déteste » était pour vous. Enfin bon, une bière. Merci. Et le « je te déteste » pour la dame. Magnifique. Maintenant, ayez l'amabilité de bien vouloir vous barrer. Eh ben, elle est pas commode, votre copine. En fait, c'est... Plutôt mourir que d'être sa copine. Ouais, et sinon, qu'est-ce que vous faites dans le coin? On se rend au château. À la capitale. Ouais, à la capitale. Et puis, c'est pas une bonne idée de rester près de la frontière. Ah bon, et pourquoi ça? Ben, les démons reprennent leur territoire et le héros s'est quand même fait battre. Quoi? Le héros s'est fait... Non, c'est des histoires. Non. Bon, il est vrai que... Apparemment, le type en face a pas fait exprès de lui planter une épée dans le torse. Et perso, je lui en veux pas. Même que... De quoi? Rafraîchissante, cette boisson. Il faudra que le gérant me dise sa recette. Demande-lui si t'arrives à le retrouver dehors. Je crois qu'on va y aller, nous aussi. Ah merde, la femme nous a pas dit combien on lui devait. Tu ne vas quand même pas payer nos consommations. Eh, hey, on est peut-être du côté des démons, mais on n'est pas des criminels quand même. C'est cliché. Tu crois que tous les autres qui se sont barrés ont payé? C'est pas faux. Bon, prochain arrêt, la capitale. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee.